Voilà tous les téléspectateurs, téléspectatrices, c'est la Canusio. Nous avons dit un gros bonjour, bonsoir pour nous tous, en fait, pour nous débattre, pour nous capter de nouvelles café actualité dans le pays d'Haïti à travers le monde, ou sur Channel Pays, Channel Information qui c'est dans la Canusio. Et avec Tiffany Goffin, nous tchèque au peuple et nous là pour nous porter toutes nouvelles café actualité. Et on dit l'autre, on a une nouvelle là, tout bon, pas bon, dans quatre coins le bon entier. Jodi à la Guy Philippe, en guettant libéré d'après information de bonne source. Sans qu'il n'y ait rien, et bien là, côté Guy Philippe lui-même, il a déjà quitté prison fédérale ça dans Atlanta et Georgia. Mesdames et messieurs, côté, il a transféré ancien sénateur PIA dans l'immigration américaine dans le moment qu'il n'a pas ensemble avec nous là. Mesdames et messieurs, côté Guy Philippe a déjà quitté prison. Nous avons avec un pile de détails, un pile d'informations pour rester branché, rester connecté sur Channel PIA qui c'est Zinla Kanyouz. N'a remercié de façon spéciale toutes les minutes qui contribuent dans le travail ça. Azadana Kompengwen, yon di lot, gagnez la tout bon pas bon dans quatre coins, le monde entier. Et bien là, n'a remercié Papa Bon Dieu qui est au dans celle-là, qui gagne tout pouvoir, toujours vous un jour, accompagnez-nous, quel que soit, courez dans mes pieds. Si tout n'a vivre dans un monde qui est vraiment fragile, un monde qui est vraiment cruel, un monde côté l'homme perdit l'amour dans le cœur, et yon plus pratiquer mal que fait bien, sous encore yon, c'est grâce avec le grand H. De l'univers. Et bien, absolument tout le monde qui branche 7 sur 7, 24 sur 24, pas oublié, je dis à mesdames et messieurs, manifestation manche longue. Et non, Canada, mesdames et messieurs, manifestation manche longue dans Canada. Et n'a invité tout le monde qui pourquoi aller se dégager, river joindre dans la manifestation et qui déjà commencé. Et bien, n'a cherché là pour nous comment. Et oui, bon garder adresse là. Et ou même qui vivent dans le pays Canada, et yon dit le terrain là tout bon pas bon, et n'a dit une manifestation là, non, et devant bureau et Justin Trudeau pour demander et pour nous continuer à mobiliser, pour nous dire que Fokan et tribunal pénal international là, lui-même, faut qu'il tranche sous dossier l'assassinat du président Jovenel Moïse, et nous capables de parler, il y a parlé tout sous dossier insécurité qui a valé terrain dans le pays, et Ariel Henry aussi porté. Ariel Henry a fini de manger peuple là, de jour en jour, Ariel Henry mettait bandit dans le pays, il a crasé son pays. Eh bien, côté manifestation, c'est objectif manifestation ça, devant bureau et Premier ministre Justin Trudeau. Ok, on a laissé plop la information. Dossier Guy Philippe. D'après, selon Miami Herald, il y a un journal qui vraiment reconnaît dans le pays Tonton Sam, en fait connaître Guy Philippe est sorti dans la prison, ok, dans la prison fédérale, là, il était hier dans Atlanta, Georgia. Et bien là, à côté, il est transféré par l'immigration américaine. Et puis on pral déporter en Haïti. D'après information, journal la fait connaître, et bien là à côté monsieur lui-même ancien sénateur et grand dans ça lui-même, il déjà quitté prison hein. Et bien là à côté monsieur lui-même, non et à quel moment là, et bien nous capable de joindre Guy Philippe atterri dans le pays d'Haïti. Dans le moment que n'a pas ensemble avec nous là, gagner mobilisation pour apprendre Guy Philippe. Eh bien, journal l'a fait connaître qui confirme que Guy Philippe a déjà quitté prison, hein, mesdames et messieurs, côté le TIA. Eh bien, côté Guy Philippe lui-même n'est pas dans le poteau encore. Côté Guy Philippe déjà joué une libération. C'est ça, en pile monde t'aptonne. Moi-même, tout me t'aptonne ça, tout parce que, on est conscient, c'est sénateur, il peut mettre dans la prison. Et nous-mêmes, nous n'avons pas condamné ça, et nous pas d'accord. Et bien là, mesdames et messieurs, écoutez, nous pourrons venir avec un dossier ça là pour nous. Et nous avons dit, qui sont comprendre de l'air Guy Philippe dans le pays, qui sont comprendre de ça, qui sont penser Guy Philippe capable de faire coup de main dans le dossier et pays et Ariel Henry avec toute l'équipe gang pareil, Krasia. Et bien là, à côté Guy Philippe lui-même, il dit par une pièce qui a fermé bouche lui. Et bien là, à côté sous bord Ariel Henry, côté Ariel Henry déjà marre gros complot, il dit depuis Guy Philippe entré, il n'y a pas arrêté Guy Philippe, mesdames et messieurs. Parce qu'il était gagné en plus l'autre dossier sous dollar. Et bien là, mesdames et messieurs, sous dossier Haïti. Et bien, nous allons suivre comment le pays a parlé et vous faire connaître. Bon, nous parlons plus de détails. On a le fort entendu, un citoyen lui-même qui t'a déposé, qui t'a expliqué tout le bagaille en détail. Mesdames et messieurs, sous dossier Guy Philippe, après le fin de revenir dans le pays d'Haïti, qui s'est arrivé. On a le fort entendu. Vous savez de vous dire, avec le retour du sénateur Guy Philippe, va nous garantir la promesse de changement. PM Ariel Henry, s'il vous plaît. Nous demandons pas nous passeport sénateur là ou bien pas nous ordre de pour nous entrer dans le pays nous pour nous continuer la bataille.
poème Ariel qui ministre intérieur Haï, nous t'ai écrit directeur immigration, nous t'ai écrit ambassadeur haïtien à Washington, nous t'ai écrit consul haïtien pour te ba nous soit passeport sénateur ou bien yo ba nous honte de route pour permettre sénateur à venir la caille. Mais jusqu'à date, tout bagage préparé, ticket payé, mobilisation préparée jusqu'à cette récente minute. PM Ariel n'a jamais délivré nous, ni passeport, ni ordre de route qui a permis le sénateur Guy Philippe d'entrer dans le pays, je que la loi permet ça. Je ne vais pas être avec le sénateur de l'Église. Mais jusqu'à présent, 4-7 ans nous sommes. Parce que, pour qu'il y ait des gens qui viennent, ils décident de nous ordre de route, ou ils décident de nous passeport. Mais dans le cas contraire, on ne va pas nous passeport. Entre demain, il n'est pas possible. Mais nous profitons dès demain pour nous chita avec la communauté haïtienne qui est dans la diaspora pour nous expliquer le travail que nous avons fait en Haïti. Parce que je dis là, l'insécurité qui est là, c'est une insécurité programmée, c'est une insécurité que pas nous. Pour qui ça nous est, le Niger prend responsabilité. Pour qui ça nous est, pour qui la façon prend responsabilité. Pour qui ça Mali prend responsabilité. Et nous sommes des haïtiens. Est-ce que nous chita toujours en bas Occident? Eh bien, c'est ça. Mais nous comprenons que la bataille, ça qui va venir mener là. C'est une bataille qui va mener. Nous sommes contre l'Occident. Et contre l'insécurité programmée, ça, que nous avons mis dans le pays, qui fait là, nous libres. Et jusqu'à présent, nous sommes entrés dans le pays, nous. Mais nous avons mis passeport, nous avons mis en nous, nous avons mis dans le pays, nous. Donc, c'est bataille, ça, nous avons mis. Et tout le temps, Haïti a libéré. C'est pas un bataille qui Philippe. C'est un bataille nous-mêmes. C'est nous tous ensemble qui avons mis ensemble. Je ne sais pas ce qui passe au Niger là. Où est que CDAO qui avons intervenu au Niger? Qui ça nous est? Peuple nigérien campé. Nous sommes même nos derniers là. Parce que j'ai la France avec l'Occident à piller le pays. Nous estimons que ça que la France a fait. C'est là pour eux mettre l'esclave, le destin prédestiné en main. Et bien je dis, nous autres haïtiens, et me dis clairement, nous n'avons pas besoin de pile policier, non, pour nous combattre ça qu'a fait là. Nous avons besoin de 600 policiers qui conscient de la situation pays, qui conscient que, on nous garde la situation mon gars, vous faire, mon gars à deux, mon d'abord, je dis tout le monde qui quitte la caillou à cause de l'insécurité que nous avons planifié dans nous dans le pays. C'est pas tel ça que nous autres, nous avons besoin de faire nos pays là pour nous délivrer le pays en même temps avec le Niger. Écoute ceci, nous voulons l'armée embryonnaire. Nous voulons l'armée mal équipée. Nous voulons l'armée fantoche. Nous voulons l'armée qui sous-coupe Occident. Comment vous comprenez que à quelques mètres de palais national, à quelques mètres de grand quartier général, et puis nous avons souffert dans le monde. Est-ce que nous connaissons les gens qui sont grands écrivains? Est-ce que nous, les droits humains, au balai, côté dame du responsable Fondation GBT Cléréen, Marie-Hélène Gilles, côté les responsable RNDDA, Champion Espérance, est-ce que j'aime donner au balai? Je dis, on se sent confortable parce que t'as fait travail pour l'Occident. C'est ça, il te va nous barbecue. Un bon exemple, Jimmy Cherichet, au CSM promotion. C'est un policier qui est toujours prêt pour le bataille. Il y a une intervention au niveau de la ville. Malgré que des policiers tombés, nous voyons que RNDDH avec Fondation GPT éclairé, c'est un rapport contre Jimmy Cherizier. Je transforme Jimmy Cherizier en barbecue. Je disais, c'est ça que nous avons là. C'est même RNDDH ça. C'est même Fondation GPT éclairé ça. Qui va nous tirer la pluie. Qui va nous iso. Qui va nous vider l'homme. Et un vrai problème dans le pays. Donc, moi que le commissaire gouvernement fait une erreur, on te l'évite Louko. Pourquoi on évite Louko? Parce qu'il a une vérité. Est-ce que ça sollicite à la violence? Le fait que les tijots sont là, on va gagner une concorde dans la rue. Tout le monde a le bandit. Je dis au bandit, je ne peux plus recruter que la police. Je recrute plus de monde que la police. La majorité des jeunes garçons qui les venaient dans le ghetto, ils choisissent avec des armes. Mais si c'est nous, même Bois Galéen, qui devons commencer à continuer, on va t'appeler ça encore. Et même responsabilité de mon dire. Avec le retour du sénateur Guy Philippe, on va nous garantir de commencer le changement. Vous avez donné qu'il y a une stratégie de temps dans le pays, il y a les pays.
Écoute, nous-mêmes, en tant que légalistes, nous faisons ça la loi dit nous fait. Nous t'es écrit ministère intérieur. Nous écrit immigration. Nous écrit ambassadeur haïtien aux États-Unis. Jusqu'à date, nous ne pas qu'à pour qui raison qui fait que vous délivrer nous. Ni passeport, ni pas d'autre pour notre pays. Parce que nos pays nous l'avons rentré. Pour qui ça que je dis là, de empêchement. Là, vous problème. Parce que d'après la rupture, est-ce que nous connaissons le pire gros tour dans le pays là? Pas de pas de toile dans le magasin pour la gagne. Oh, parce que nous, mais on connaît. Mais ça, on tellement utilisé pas de toile dans le jour ça là, parce que vous ne savez pas rentrer. Presque magasin va pas de toile là-dedans. Donc c'est pour l'une des autres qui va nous dire. PM Ariel Henry, s'il vous plaît, nous demandons pas nous. Passeport sénateur là, ou bien va nous hors de là, ou nous entrer dans le pays, nous, ou nous venons continuer la bataille. Est-ce que avocat sénateur du Philippe, est-ce que l'idée est à l'échelle nationale? C'est parce que sénateur libre qui fait que nous menons hors de route là. Et demain, en Pennsylvanie, de pile mettre chaque là, parce que officiellement, dès 10h du matin, le premier ministre capitaine à Pennsylvanie, Captain sorti sénateur du Philippe. Et demain que la paille aux conférences de presse avec journalistes internationaux. Et d'autant plus, la pour rencontrer la communauté haïtienne qui vient aux États-Unis. Vous avez dit que Philippe a pris des décisions. 10h du matin, officiellement, sénateur du Philippe a libre. Et prêt pour le tourner dans le pays. Si que l'État haïtien jusqu'à date veut délivrer nos passeports ou bien hors de route là, demain 4h dans l'après-midi, c'est la difficile tâche pour cette pays. Écoute, on a utilisé tous les voies légales qui tracées par la loi pour nous jouer hors de route, nous jouons passeport. Parce que c'est pas en faveur. C'est un droit que vous avez en tant qu'haïtien pour gagner un passeport. C'est un droit que vous avez en tant qu'haïtien à défaut de passeport là, pour gagner un ordre. Pas oublier. C'est la difficulté de mettre l'école de PIA. Pas oublier. C'est l'État haïtien, c'est même l'État fait ça. L'État corrompu ça. Qui dit que sénateur Guy Philippe veut déporter lui. Et puis, oh, en violation anti-guerrière et constitution. Je vais déporter sénateur. Mais je dis là, je ne vais pas supplier l'État haïtien ça. Pour nous donner un passeport, pour nous donner un pouvoir de la pays. C'est pas pendant l'équipe Philippe, il y a un qui a fait quoi et la société a été tenue par rapport à ça qui s'est posé comme quoi et polarisé pour faire au niveau des chutes et des cailles. Et Mariel, sentir qu'il va pas supporter. Il va pas prendre son ça. Il va pas prendre son, ni autoriser sénateur à entrer dans le pays. Immédiatement libéré. C'est-à-dire que jusqu'à date, demain, si je veux, sénateur 41 pays. Donc, nous pouvons parler ensemble avec le sénateur. Nous connaissons demain à qui le sénateur a rentré dans le pays. Parce que la bataille, ça a mené là, monsieur. Nous ne pouvons pas nous battre contre le pays, non. Nous ne pouvons pas nous battre contre l'Occident. Je dis, il faut Haïti libéré. Il faut que vous haïtiez qui veut descendre nos mains pour dire faut Haïti libéré. Même avec le Niger. Et sénateur m'a dit nous ça. Je t'ai arrêté en Nelson Mandela, la beauté en Nelson Mandela. Jusqu'à présent, nous étions confiants, sénateur la beauté de M. Van de Pays Haïti. C'est l'information que vous avez là. Soyez même nous. Nous autres, nous avons la loi comme boussole. En tant qu'esclave, la loi, c'est la loi qui trace et qui dit voilà, voilà, mais qui procédure pour nous suivre. Donc nous disons, battez nous d'appeler nous pendant 6 ans. Il y a des gens qui ont été violés. Et qui est-ce qui a commencé à commencer ma honte? Avant de dire ça, qui a commencé ma honte? Et ça fait partie de tout le monde. Tout le monde est cité sur l'aide. Cafoufeuille, Caradeur, Matisseur, tout le monde est différent qui était Kayo. N'a pas eu rendez-vous devant l'aéroport international pour recevoir le sénateur qui, parce que, il y a un couple qui a parlé là, il a assassiné le sénateur. Et c'est bien compté, mal calculé. Même Jean-Edmire a planifié, forcément, qui a assassiné Jovenel Moïse. Il a planifié.
ce soit des CBJ fermés, ou bien des CBJ fait un travail, parce que travail des CBJ, nous évaluons un travail impeccable. Il va devoir faire un travail, il dit, il va faire un nouveau monde, il va faire un nouveau monde. Il faut que tout le monde arrive en prison. De toute bagaille net, mesdames et messieurs, on sait bien que nous fait pour tout le vacabre, pour le pays. C'est 4 ans pour nous tout le temps. Merci en pile, nous avons contre-talé comme ça à quel moment sous dossier Guy Philippe là.